Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis au sang, ces hommes noirs, Taïmada, chez notre aîné. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro, vendredi. L'actualité tourne autour de l'affaire Moukouna, le pasteur Moukouna, dénude le régime Kabylie et Joseph Kabila Kabongé. C'est Émeraude, hein, le titre Émeraude qui en parle. Et puis Eco News, réaménagement du cabinet de Tshisekedi, la piste d'Anvers, l'avenir, Tshisekedi palpe du doigt les réalités, voilà. Je crois que c'est pour la question de Covid. Et puis il y a Impact News, hein. Impact News qui parle de l'affaire de Vital Kamerhe. On va en parler dans la deuxième partie pour continuer notre édification, parce qu'il est important de le faire. Mesdames et messieurs, vous l'avez certainement compris, l'évêque Moukouna a donc porté plainte contre M. Kabila. Mais le problème, c'est que les gens, bon, il y en a hein, qui évoquent la loi, en disant que bon, Pascal Moukouna, à Saliba Blague, à Gosse Aventurier, à Ebike, pour se dire, on est quoi boutirte. Mais il faut tout le monde à Batouboué. Pour porter à Kabila plainte, il faut avoir du courage. Pour porter plainte à Mboka ou à Congo, il faut avoir du courage, mais vraiment du courage. Et si il faut parler du courage, l'évêque Moukouna en a. Mais vraiment en quantité industrielle, on doit le dire. Ce courage-là de porter plainte, non, il faut en avoir. Et vous portez plainte devant les juges qui ont vu l'action sur les cas qui n'ont pas été en train. En tout cas, c'est la première fois dans que un individu a porté plainte dans Kabila. Mbala Liboso. Du moins, au Ebani. Mais malheureusement, le problème va se trouver à niveau Nini. Il y a une loi. Il y a l'ancien président de la République, voté dans le Parlement, promulgué par Yemoko. C'est la loi la plus ridicule qui puisse exister depuis qu'on est pays. C'est la première fois de l'histoire qu'une loi comme ça soit pendue. Je ne crois même pas qu'elle est dans la République dictatoriale. Je veux dire, dans la République dictatoriale, pardon. Dans mon anonymité, et donc, un modèle Luana et Salim. Dans toutes les républiques dictatoriales, Nagolo, même, parce que la république et puis la dictature, c'est des choses différentes en tout cas. C'est presque le contraire. Mais même dans les dictatures les plus sanglantes, pareille disposition, il y a une nuance moro quelconque basalag. Mais je vais vous lire ce que dit la loi. Comme ça, Bino va Congolais Boyoka Sony. Il y a un déconabiso, mais ça là, au déconabiso, Moussousou, barré que ça à l'Assemblée nationale. Sony, Pemawa, c'est ridicule pour un peuple. Voici ce que dit la loi. La loi dit ceci. C'est le paragraphe 2 hein, du statut pénal. L'article 7. Tout ancien président de la République élu. D'abord, c'est écrit avec une faute parce que c'est tout au lieu de tout. Tout ancien président de la République élu jouit des immunités de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire tout ancien président de la République élu jouit des immunités de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Ndeko. Même un étudiant de G1 ne peut pas penser concevoir un texte pareil. Parce que regardez, la loi divague. Ça veut dire si un président a tué, bah Hollande a été. Parce qu'ici on dit tous les actes posés par lui, bah acte n'y soit posé à qui. Pendant qu'il est président, bah Hollande l'a été. Bon, ça c'est quelle permission à la bêtise? Ça, c'est ce qu'on appelle en français la prime à la délinquance. Ndeyango. Oh, il y a prime à la délinquance. Oh, il y a li, kolobake, ba président, wana, baza, ba, ek, baza, ça dit, baza, ba, ba, ba extra, quoi.
Bataba extra. Bataba extra les games. Bataba hors la loi. Bango qui peut loiter. C'est-à-dire, bango, bango, ça, là, bango, balingi. Mais ceux qui ne comprennent pas. Donc, Fachi, aujourd'hui, n'est pas dans le pouvoir, boué, peut se permettre de décimer l'Équateur. À cause de la décision, mon gars, il faut tomber l'Équateur et couffre. Ce jour-là, le président, bango, kanga été. Bango, l'Andela été, bango, tout n'a pété. Ça veut dire le président Félix Tshisekedi a koyi bambongo à l'État, a ibi mbongo nyonso à l'État. A tongi ndako na kabeaka mwanga, to a tongi ndako na lubunda luna, na mbujima yutope na bakongo, tope na mbu, na bandundu, a tongi bandako na ye na nenge na ye. Mouto ako tou na ye a zate, po a da ancien président élu. Bon, bo tou, bo nami tou ni mo tou na moko. Toza bato kaka ya solo. So ki président de la République, en exercice, procédure ya kotia yon accusation ezali. Boni ancien président. Oh, ça sous na pouvoir te yeba ko kanga été. Et puis la disposition ici est contradictoire na oezo ya après. Il y a deux dispositions qui se contredisent dans la même loi. Le premier est dans l'article 7 on a bisibino, babi tout ancien président de la République élu jouit des immunités de poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Donc, il y a une immunité, beaucoup de l'indélaïté. Beaucoup de l'indélaïté. Il y a une immunité. Il y a une immunité de beaucoup de l'indélaïté. Si vous avez l'article 8, suite, il y a une pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2/3 des 2 membres de chambre du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Bon, bande konangai. Au moment où on peut caresser le mot dans le poil, pour dire que le mot est un vanda ou mela. Et dans le contexte, et dans le contexte, oh, M. Kabila a l'ingobiman, a l'ingotika pouvoir. Et dans le contexte, a l'ingotika pouvoir. Bah, député, bah, trouver mécanisme, mon quoi, malam, mon bon délai. Pour le bébé, que papa tika kaka, attention, que bimba au kangote. Ceux qui ont au banga, que tika papa kangao, te ba au kangote. N'engozana, aux anciens présidents, aux aki élus, entre guillemets, 2 fois. Le gros, le commun déjà sénateur à vie, moutaro simba au azate. Parce que avant, moutaro simba, il faut sénat et libéré. Mais avant encore, Moutar Simbayo, il faut que 2 chambres, il y a parlé, Mbayokana, Bavan ensemble, et Bazmakout Bazala, un peu de tiers. Ça veut dire, même président, on m'a dit, Ndenge président de la République, Ndenge président de la République, il faut pas kangaye, Ndenge faut pas kangaye, c'est un président de la République. Est-ce que vous avez dit, toi, tout comme Yuapi? Tout comme Yuapi? À partir de quel moment, un ancien président, pour l'arrêter, ou pour le poursuivre en justice, il faut 2/3? Ba, 2 chambres, ba voter. A tabino moko pena ba nekurangaye. Sachant que, nazala ki na 18 ans au pouvoir, nazala na majorité à parlement, nazala na majorité na parlement, nazala na majorité na assemblée provinciale, ngande mokondi, nazala na majorité politique nangaye. Loko langa nazala na majorité wana, ba gosa langa loko mokote. Donc ici, c'est un régime des intouchables. Tout le monde en France, non? Chirac a été invité. Est-ce qu'on a les bafenga qui na France kuna ba ki no senga ba de chambre ba fanda ba luka moyen ba yokana? Non. Sarkozy était poursuivi. Est-ce que c'est pour autant que batuna ki assemblée nationale na Sénat pour que ba yokaye? Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays à la fin? Habiter hein, tout ça na pays onine. Ce qui te montre que RDC aussi m'a souté. Toi comme la République Kabila ici il m'a mort non? Toi tu es la République démocratique de Kabila. Toi tu qui m'a montré mi ka RCK. Toi ce qui ka wana? Pas na moni na mon on dirait boyto ki na mabe. RCK, République démocratique de Kabila. Parce que la démocratie doit obéir aux humeurs de M. Kabila. C'est quel pays on vit à la fin? Ancien président, Simba été. Ancien président, il faut 670 000 dollars par mois. Ancien président, sénateur à vie. Donc la vie de la République tourne autour du président, de l'ancien président de la République. L'ancien président, le nouveau président, Bangotou Bazanenye Moko. Oh, on retient une accusation. Oh, pourquoi on retient une accusation? Oh, il faut 2 chambres, Baloba. Oh, il faut qu'on ait 2 chambres, Baloba. Bon, mais dites-moi un peu, Bandeko. Où en sommes-nous? Et tant que vous avez la loi, Balobinine, nous sommes les Libanda exercice. Ça veut dire que nous avons le loi. Il n'est plus un exercice, non? Nous avons le loi. Ce qui a sali ma bé. Est-ce que vous avez beaucoup de problèmes? Donc, nous avons fait un sénateur à vie. Ce qui a sali le Kambouya ma bé.
to ba kuti na likembo moko ya mabe avant bobenga ye na justice il faudrait nous parlement décider atabino moko atabino moko penza wana kaka to saka ba tupe kaka to la tupe ba cravate na ba veste to lobi pe ce qui peut lobi lobi te o za contre est-ce que to za penza ba tu donc un ancien président en dehors de ba fonctionnaire président a violé loi te pas un problème na loi to moto moko se pe lia funda na justice il faut ba benga parlement parlement vandi batuni ba député qui sont pour banga na kabila ba interpellé ba kebe na sénat qui sont pour oh ma théâtre mbokao wa té franchement ce pays hein, nous méritons mieux s'il vous plaît revenons un peu cette loi ba député oyo ba loi oyo revenez sur ça ba député opposition bino on est au ganga ganga wana mais remettez la loi en question. Réviser cette loi-là. Excusez-moi de vous le dire, mais je n'ai pas un autre qualificatif. C'est une loi idiote. C'est une loi contre la République. On ne peut pas construire une République avec les intouchables. Non. La loi est supérieure à tout le monde. Un état de droit, c'est un état où la norme est supérieure à la force. C'est un état où la norme transcende les émotions et les humeurs des individus. On ne peut pas être dans une république, on est en train de dorloter, de cajoler un homme. À la fin, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut. Même à ta idolâtrie, je suis au niveau de Ngomo Eleki. Mais pas à ce point quand même. Pas à ce point. Vous avez tout donné à l'ancien président. On ne vous a pas refusé. Vous demandez le secrétariat. Vous demandez en même temps un régime pénal exceptionnel. On se rend compte que le président en exercice est beaucoup plus soumis à la loi que l'ancien président. Attendez deux secondes. Non, beaucoup modèle lignon. Peut-être que vous comprenez. Nous avons dit loi arabe mona que la blague est trop dans la vision. Article 8 dans le Bible. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions. Ça peut être interprété comme le fait que Azaz sous présidenté. Il n'a plus les fonctions du président entre ses mains. Ou bien il agit maintenant pas en tant que président. Mais alors, Balobi, les poursuites contre lui sont soumises au vote à la majorité de 2/3. À la majorité de 2/3. Assemblée, Bada, 500 députés. Assemblée, 500 députés. Sénat, 100 et quelques de sénateurs. 108. Nayemoko, 109. Alors, dites-moi un peu, mesdames et messieurs. 500. Na 100, on a commis 600. Bino, bato, bosa, la mathématique, bosa, la. 2/3, nango, ça combien? Ça veut dire que 2/3, wanande, bangonde, faut pas décider. Ok, tondimi, poursuite salima. Non pas pour l'arrêter, mais poursuite nan ban. Atabino moko. L'article 8 est beaucoup plus insolent que l'article 7. L'article 8 est beaucoup plus insolent. Ici, c'est un protectionnisme outré qui énerve même la vie de l'État, qui énerve le code pénal. Ici, c'est comme, je peux appeler ça un coup d'État contre le code pénal. C'est un coup de force. Peut-être pas un coup d'État, mais un coup de force. C'est un forcing qu'on veut faire ici. C'est une violation. Il y a droit. Il y a droit pénal. Il y a violation à Yango. Il y a violation à principe, il y a égalité de droit. Il y a violation à Yango. On ne peut pas. Il y a contre la Constitution. Cet article-là est anticonstitutionnel. Je peux demander à Bato de saisir cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité à loi Oyo. Je demande à Maître Bondo. Maître Kapiamba, Maître Katende, tous les grands avocats de mon pays, professeur André Mbata, na sengi na bino, bo attaquer loi Oyo, na inconstitutionnalité. Parce que le principe de la constitution est la égalité de droit. Biso nyonso na se ya mibeko. La constitution prévoit bateau au baza, na ba jure, na ba privilège, na ba juridiction. Un privilège de poursuite. On ne parle pas de M. Kabila. Balobeli est tangwaza sénateur.
Et tant qu'on a sénateur, on a besoin de deux tiers. Il y a deux tiers, il y a deux chambres. On a besoin d'un côté. Mais oh, et Sengi, deux tiers pour la Nini. Deux tiers, il y a deux chambres. Deux chambres, on va vendre deux tiers. Non, nous disons ceci. Monsieur le sénateur, l'honorable Kabila est un ancien président de la République. Il mérite le respect du Naronaye. Mais cela ne veut pas dire qu'il est un citoyen extraordinaire. Non. Monsieur Kabila est un citoyen congolais, sénateur à vie. Les seules immunités qu'il doit lui bénéficier est d'abord immunité sénatoriale. Bah, immunité en tant que immunité parlementaire, les immunités en tant que sénateur. Ça veut dire si quelqu'un veut l'accuser en justice, bah au fond dans la cour constitutionnelle t, bah au fond dans la cour de cassation, na qualité na ya sénateur. Alors en ce moment là, seul le Sénat devra décider ce qui va relever immunité ou pas. Mais écoutez quand la procédure est incorporée à l'Assemblée nationale t, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, cette démarche. En quoi est-ce que l'Assemblée nationale est intéressée na vie, il y a ancien président. C'est quoi le lien? Je n'en vois pas. C'est quoi le lien? Botika Bissoto Vanda Namboka Kimia, s'il vous plaît. Arrêtez de nous déranger à tout moment. Hein? Botika déranger à tout moment. Ce n'est pas bien. Pasteur Mukuna, évêque Mukuna, Ngana Sengio Boué. Kolembate pour la demande ouana. Parce que le magistrat va se fonder sur la loi. Et ils n'auront pas tort. Du point de vue juridique, on en a torté. Ceux qui vont débouter l'action, ils n'auront pas tort. Parce que la loi le dit comme ça. Maintenant, on dit souvent, hein, lorsque c'est la loi qui nous énerve, attaquons la loi. Ça veut dire reformuler demande nayo. Kota na cour constitutionnelle, en tant qu'individu, la constitution prévoit ceci. Tout individu ou a vexé, dérangé, na elo comme quoi la constitution, a voulu saisir cour constitutionnelle. Nengo yo zawana saisir cour constitutionnelle pour attaquer cette loi. Ou attaquer loi on a inconstitutionnalité. Pourquoi inconstitutionnalité? Parce que loi oyo et donc pense à monsieur Kabila position et la le colo ya règle. La règle veut que plutôt tout autre la soumis na loi. Et moto na moto selon direction na ye. Ma poursuite, immunité, ma privilège, il y a ma juridiction, ma poursuite, et là reconnu la constitution. Et la constitution, si on a dit, on va reconnaître dans M. Kabila, immunité, kakalokola, sénateur, pas ancien président. La constitution ne prévoit pas ça. Seulement les anciens, pardon, dans la logique, il y a sénateur à vie. Mais les anciens présidents, ils sont justiciables devant la cour de cassation. Pas la cour constitutionnelle. Pour la cour constitutionnelle, il y a un balai, un bateau, un judiciable devant la cour constitutionnelle. Et il y a un président, un premier ministre. C'est tout. Cour de cassation, il faut entendre l'ancien président. Donc, tu as un article qui est article Oyo, tu as porté une plainte. Tu as la cour constitutionnelle, il y a un article qui est anti-constitution. Anti-constitutionnel. Et on va prouver. Et ça, c'est par amour du pays. Rien à voir avec quoi que ce soit. Et d'abord, il y a un bon cas. Tolingi, t'es que lobby, t'es comme un syndicat et un ancien président, bah, c'est croire au-dessus de la loi. Parce que ce que je fais ici, la démarche que j'ai ici, même Félix Tshisekedi est dans la même logique. Donc, bateau, vraiment ouvert d'esprit, comprendront qu'en parlant de ça, même Félix Tshisekedi est concerné dans Nango. Nous refusons, ce qui est plaire, nous refusons, même au président Félix Tshisekedi, soit comme ancien président, nous refusons qu'il n'y ait pas Kanga été, Tobo Yango. Nous voulons que ce qui Félix Tshisekedi a saisi pouvoir en aïe, a kendeko pe mana kimia, soit à sala kimabe, balande la ye. L'été tambola, mboke tambola rabongo. Quand tu as été président, il faut travailler pour le peuple et non appauvrir ce peuple-là.
Tu ne peux pas conduire un pays et puis après tu sois le seul riche, le plus grand riche du pays, d'ailleurs, alors que Mboko Tiki a la pauvreté. Un pays qui ne consomme pas plus d'un dollar. Alors que clan Nabino a pouvoir, il y a 1 million de dollars. Bino tout le monde est millionnaire. Ça ne marche pas comme ça. Si nous avons besoin de sauver ce pays, nous devons arrêter de faire des débats sur les individus. On dit que débat dans la salle. Il y a un débat sur les principes. Dans le temps de la loi. Je ne suis pas en train de dire loi. Ce sont les lois de la République aux deux exploités. Le lobby qui va concevable pour la moto à Kambaki Mboka, à Silsi Kokamamboka, Batou Naye Moutounate sur exercice Nayakala. Et la possibilité, c'est tout simplement idiot. On ne peut pas. C'est un peu comme on appelle l'idiocratie, hein, la gouvernance des idiots. Totamboulaka, Bongo, et Tokenegabo. Non! Vous avez géré le pays, il a dit Félix Tshisekedi déjà président Lilo. À un moment donné, il va finir le pouvoir, non? Il va faire le monde. Alors, si c'est un mandat, Naye. Soit c'est un mandat au Aliboso. A vu champ, a vu possibilité, une opportunité. Il y aura ça la deuxième mandat. Ça va être une bonne chose. Alors quand il aura fini son deuxième mandat, à combien ancien président, n'est-ce pas? Alors, ce qui doit corriger l'erreur où il a dans le Kabila, Félix, c'est qu'il n'y a pas qu'on profiter de la même erreur. Et quand il sera là, il y aura deux anciens présidents. Et puis on aura un troisième. Et puis on aura un quatrième. Ça va faire comment? Donc comme on a Kermès et ancien président, ça veut dire régime intouchable. Donc comme on a logique, il y a un secrétariat dans le secrétariat. Félix, c'est ce qu'il dit pas quoi, on a tourné, on a un secrétariat. Kabila a un secrétariat. Alors, on aura 4 secrétariats. Ce que tu as avant, tout ça, l'erreur, on risque d'avoir un pays qui retombe dans l'ingouvernabilité. Est-ce que c'est ce que nous voulons? On dit non. Le pays, on ne va pas le développer comme ça. Le pays, on va le développer dans le respect à ma texte. Au Kambaki Mboka, ni ma redevabilité. Au Kambaki Mboka, se soumettre à la loi. C'est soumettre le principe, il y a l'État, au Lengi Kolobake, au Akambaki, Batouna et Moutouna. Alors, on va baiser à niveau. Tout ça, on a pratiquement 608 parlementaires. Quelque chose comme ça. Il faut une histoire de 404, quelque chose comme ça. Nenge Jérémy à l'Obinanga, il va chiffre, on a Jérémy Moutapesinga. 400 combien, Jérémy? 400? 403. Alors, à Longoli 4, comme 403. Mais après, c'est 404. Comme 403. Tout le monde dit, ma bon, on casse. Donc, 403. Il y a 2/3 de Batouana. Ceux qui restent salés dans le calcul, ils ont faute à Ngaté et ils ont faute à Jérémy. 403 parlementaires. Bon, Bio Bishangai, on sait aujourd'hui que le FCC lui-même. Ça va blague. FCC lui-même a plus de 500. FCC a plus de 500 parlementaires. Il y a beaucoup FCC. Bon, ce que nous avons tout en haut, 404, Bio Bishangai, ils ont toqué. On va dire que ça va blague. Et nous, on va rester là, Total Rabino, Kakabongo, Kapo, Boza, Makas. Non! Non, non. Établissons des règles pour Nabissonios. Nous refusons le commandant Eloana. Nous refusons des avantages provocateurs. Nous refusons des avantages à tendance à déranger quiétude Yabatou. Nous refusons. Toboy, Onyon, ce qui est une idée à déranger morale Nabisso. T'en as pas si Nabisso, t'en as pas Nzala Nabisso, t'en as pas courant Nabisso, t'en as pas Pia Kanabisso, t'en as pas un paiement Nabisso. Tona ba balaba na biso zate tona ba transport a passe na mboka oyo et bino mboka ba kisa biso biloko mboka bondire mboka ngata kai pa na bino on dirait la république doit tourner autour ya batu mboka ba ta kabili wana. Non, ça marche pas comme ça, ça marche pas. Voilà un peu mesdames et messieurs on ngana lo balelo pour na likambotali démarche ya ndeko Pascal Mukuna. Ndeko Pascal Mukuna fundi et lobi boko ba biloko bele ko salema susu. Je vous ai déjà dit, demain vous allez voir encore d'autres choses de ko salema na lingina sa la mise au point moko sur biloko de le cas d'internet. Bandeko Bolandi, point de vue déjà dans les réseaux sociaux, Bolandi n'engue pas tout lobby que non madame Bijungoya a sengi pardon, a sengi Tambo Mamba pardon, Ali Misaye, ainsi de suite. Beaucoup de gens m'ont appelé même temps que notamment dans les réseaux sociaux. Christian Moni Moutokote là qui? Moni Moutokote là qui? A quoi c'est un pardon? Non, Bandeko. On s'entend. Moussala na bisto ba journaliste. Différent na bato ba salaka ba YouTube, ba salaka ba Facebook, hein, tout ça, ba réseaux sociaux. Différent, c'est que bisto tout ça na mandambo éthique. Hein. Bisto tout ça na mandambo éthique. Moi, je ne peux pas me mettre à consommer ba rago y a ba réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on écrit n'importe quoi. Et à tout moment.
C'est du n'importe quoi. Et comme quelqu'un disait, c'est Imbroto, je crois, qui disait que les réseaux sociaux ont donné aux cons la parole. C'est des gens qui se taisaient quand les intelligences parlaient. Mais les lots, bah, je me casse avec le ban internet. Bah, je peux me casser en commentaire dans ma Facebook. Ça dit, Mouto, pourquoi débattre, n'aille même pas. Mouto, pourquoi tel, même pas pour débattre. Mais il a quand même le culot d'écrire derrière son Facebook, derrière son histoire, à un comipé, à fingipé. Mais c'est des gens incapables de soutenir une idée, incapables de soutenir une idée. Mais bango na batali bosso ko finga batou dans les réseaux sociaux. Bango na batali bosso ya ko propager ba message à l'okuta dans les réseaux sociaux. Je tiens à vous dire, madame Bijungoya n'a pas demandé des excuses, n'a pas présenté des excuses à monsieur Tambo Mwamba. Bato balandi audio ba yo ki très bien ba propos na ye à lobi boyé. D'abord ce monsieur Tambo Mwamba qui présente ses excuses en bureau présenté ba fleur. Parce que M. Tambo Mwamba est beaucoup trop lui-même au point qu'il ne peut pas s'en. Il peut pas. Il est mort à gros le batté. Mais à comment qui bureau est Sengi, pardon. Bureau est présenté par excuse dans Madame Bijou. Et Sengi est excuse. Madame Bijou, elle est bien en français. Elle est bien en lingala. Elle est bien en français. Elle est bien, je prends acte. Il y a désolation dans le président. Et Ngaï Pé, Sengi, pardon, la plénière. Neko. Plénière. Nasna, tenez M. Tambo Mwamba. Bavelo, comment quoi? On n'a plus qu'à Bolingi Kate. Plénière, M. Tambo Mwamba. Quand quelqu'un dit je prends acte, ça veut dire quoi prendre acte? Tu sais là l'autre fois, non? Prendre acte, ça veut dire quoi? Prendre acte, ça veut dire j'entends, j'ai entendu, mais je n'ai pas accordé mon pardon. Nayoki. C'est ça prendre acte. Prendre note, c'est différent. Prendre, quelqu'un qui prend note, ça veut dire je considère Oyolobi. N'a considéré Oyolobi. N'a bien il prend note. J'ai pris note de votre demande. Ça veut dire considéré Oabino Nayoki Yango. Mais quelqu'un qui prend acte, ça veut dire Ayoki Kaka. Ça veut dire il s'abstient de donner son point de vue. Ok, j'ai pris acte, c'est tout. Nayoki Nanga. Oh, tout est la salle. Il est délié de la suite de la chose. C'est ça ce qu'on appelle prendre acte. Ndeko, et en français. Et en lingalaté. Si comme madame Bijou, c'est qui pardon au place. A Sengi pardon na ba sénateur pour la réaction na ye. A Sengi pardon te pour la magomba finga. Non, non. Et puis elle n'a pas demandé pardon à M. Tambo Mwamba. Elle s'excuse devant Tambo Mwamba. A lobi kara que ba sénateur, na ba sénatrice. Na kombo ya basi nyoso, ye a Sengi bango pardon pour la réaction na ye. Peut-être qu'elle aurait voulu se taire, se calmer, avoir beaucoup plus de maîtrise peut-être. Mais elle a considéré qu'elle a elle aussi réagi. A réagi ça qui proportionnellement na arrogance wana. Il fallait arrêter mon moment. Mais les lots de Sabino aujourd'hui, mardi, pardon, vendredi, mais ils ont confirmé la plainte. Procédure de justice, ils ont continué. Madame Ngoya a retiré plainte. Et puis, en matière pénale, bon, bah, que le retrait de la plainte est inopérant. C'est un principe de droit, non? A retiré plainte, plainte est ikali. Bah, confirmé coûte plainte. Donc la plainte contre M. Tambo Mwamba, ils ont continué. Mais un autre élément, où on a eu sa bateau, bateau au cabiso chico. Bon, mon il y a 4 millions où il y a un sénat, bah sénateur, il y a FCC, bah boyer les cas. Bah boy contrôle ou on a eu ça les mains. Ce qui veut dire que, à l'initiative, il y a Mme Bijou est échoué. Et comme il y a sous-caté, bon, il y a une responsabilité, il y a été. Avec Yemoko a posé initiative. Ce qui est sénateur, il y a un sénateur, il y a une idée. Il y a un tombe la mboka, il y a un aide mboka évolué, il y a un interpellé M. Tambo Mwamba. Mais il y a un boy qui a interpellé M. Tambo Mwamba, au nom de la famille politique Nabango, il se protéger et il va bouter dehors initiative aussi salvatrice, il y a Mme Bijungoya. C'est ça la vraie information. C'est ça la vraie et la bonne information que personne ne vous mente. Information malunga yango wana. Siko boy bisangai. L'avantage, au moins l'avantage ngana dangango. Et puis je reconnais cet avantage là. Et de là que on ne démonte pas ce que je dis malheureusement. Bato bafinga ngana ba réseaux sociaux, c'est vrai. Bato baganga na bango bazali. Mais ba démenti sa ka information ngate. Na batika no ko démentir info ngate. Na pesi info ba démentir té et seulement onté. On démonte pas. Parce que je me rassure avant de donner une information, on a un élément d'ango. Je me rassure toujours des éléments avant d'aller. Et l'information sur Madame Goya, c'est la bonne et la vraie information. Voilà un peu tout clore débat. Hein?
tout clore toute la discussion à ce sujet wana pona wana madame Bijou donc à cinq pardon t madame Bijou plainte naie continuer mais malheureusement pona madame Bijou demande naie et a rejeté et dossier naie et autant maté parce que bah sénateur bah yokani babo yango donc bah yokani babo yango bah lui est allé biso te boi na biso yango tika biso to fanda naie bah il mise magie ou a confié un homme bah la boutique kangana lala tino na gola muka nga muka na mona mabina naie baboyi na bango alors tout ça dans beaucoup modèle wana tout ça dans beaucoup oyo bateau moko parce que bata ba majoritaire va se protéger entre eux ça ne m'étonne pas bata la ba loi modèle on a de l'axibino là ça ne m'étonne pas donc beaucoup tout ça dans beaucoup modèle wana bateau baza majoritaire bo bloqué na tout na bino oyo ko ya ya c'est comme ça minorité ata bota na ba idée malamu nengeni ne ekota te et simbaté o wana ba idée no pena malamu et simbaté o ko ki ko interpeller membre gouvernement o interpeller ya ye ne comment on a besoin de petite motion incidentielle ne comme gouvernement zongi yo tirer une motion au yolé là au talarabu bongo nezali c'est ça le parlement congolais c'est ça le parlement congolais moi à la limite j'ai honte simplement j'ai honte j'ai honte en tout cas j'aurais cru qu'on était à autre chose mais on est au parlement malheureusement c'est là où la discipline ne fallait pas les mains bateau va composer kamibeko bato ba élaborer ka ba loi mais bango moko bazo violer ba même loi bango bazo balingi ba élaborer ils veulent mettre de l'ordre au pays mais ils ne savent pas mettre de l'ordre dans leur maison bata bato liboso ko pesa ba leçon na ba chambre mususu bato liboso hein ya ko pesa ba leçon mais ils sont incapables de se regarder dans les yeux pour que longola poutre aux analystes na bango mais balingi ba ki longola paille aux analystes ba ninga c'est ça le ridicule malheureusement. Voilà un peu autant que le balélo pour la bande de cognos malandibiso. Nous demandons au peuple congolais de se réveiller. Bola muka penza, mboka na bisu ki de mo mabé. Bola muka, ce pays est dans la direction malamu mingité. Bola muka, il y a la présence de deux cas, de deux forces. Une force qui veut le bien et une autre force qui veut le mal. Biso peuple to la muka. To bunde la côté à ba bien, côté à mabé to boye yango. Côté à mabé dali côté à miibi. Côté à bateau bateau lingaba kosa bateau côté à bateau balingiba pesa nyoso côté à wana ne place à mabe yangwana levons-nous comme un seul homme et disons non à la confiscation à pays toboy yango libérons ce pays mais avant libérons d'abord notre mentalité que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout congolais unis par le sang unis dans le fort pour la Oh.